Le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de fierté à l'endroit de ma communauté, ici de Adjolakuna. Et le deuxième sentiment, c'est c'est un moment de recueil en mémoire à notre frère qui nous a quittés l'année dernière et qui, durant toute sa vie, a été donc un modèle d'engagement pour sa communauté. Et aujourd'hui, à travers ce mémorial, c'est un moment de se souvenir de lui, de prier pour lui, pour qu'il repose en paix là où il est, mais aussi pour l'ériger en modèle, en exemple pour la jeunesse. Donc c'est vraiment un moment, je pense que on veut avoir des Yankuba Djiba ici à Dolokona, ici dans la commune de Goudom, dans le département et dans le pays. Et demander à la jeunesse de Goudom, comme d'habitude, lance un appel au fair play. Que la finale soit à l'image de Yankuba Djiba. Que tout le monde respecte les règles du jeu. Que celui qui gagne, qu'il gagne.